Michel Drucker. France Télévisions dévoile la date du retour de l'animateur dans Vivement Dimanche. Mercredi 9 août, France Télévisions a annoncé une nouvelle qui va ravir les fans de Michel Drucker. L'animateur de Vivement Dimanche, dont la santé les a beaucoup inquiétés la saison dernière, sera de retour dans quelques semaines à l'antenne. C'est peu dire que Michel Drucker aura donné des frissons à ses fidèles téléspectateurs ces derniers mois. 3 ans après sa très lourde opération du cœur, triple pontage coronarien en raison d'une endocardite infectieuse, l'animateur avait dû passer de nouveau par la case hôpital en raison d'une bactérie sur une valve. C'est depuis ma chambre d'hôpital, où je suis encore en rééducation, que je vous adresse ce message d'amitié, annonçait-il sur Instagram en juin dernier pour sa première apparition depuis des semaines. Un état de santé fragile qui laissait planer le doute quant à l'avenir de sa carrière à la télévision, lui qui avait déjà dû s'absenter de longs mois à la suite de sa première opération. Mais, début juillet, l'animateur de 80 ans écartait toute idée de retraite dans les colonnes du Parisien, assurant qu'il resterait tant que l'on ferait appel à ses services. Et le groupe France Télévisions ne semble pas prêt à s'en passer. Objectif Paris 2024. Comme prévu, Michel Drucker va bientôt faire son retour à l'antenne pour une 25e saison de Vivement Dimanche. Arrêté en février dernier suite aux déboires de santé de l'animateur, l'émission historique au Divan Rouge entamera sa nouvelle saison le dimanche 27 août à 13h30. C'est le groupe France Télévisions qui a annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux ce mercredi. Pour l'occasion, son premier invité sera Laurent Gérard, qui devrait au passage devenir le parrain de l'émission pour cette saison. Il sera rejoint sur le canapé rouge par Anne Roumanoff et Michel Bernier, qui prendront, elles aussi, place sur le canapé de Michel Drucker pour célébrer son retour. 55 ans après le début de sa carrière, l'indéboulonnable animateur semble reparti en pleine forme. De bon augure, alors qu'il espère pouvoir participer à la grande fête des Jeux Olympiques de Paris 2024, intégralement retransmis sur les chaînes du groupe. De quoi finir en beauté.